N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2024, Denis Brognard a partagé sa profonde tristesse sur Instagram en annonçant le décès de Stéphane, caméraman emblématique, survenu la veille. Accompagné d'une photo de Stéphane, la légende de l'animateur rend hommage à celui qu'il considérait comme un complice de plus de 20 ans. « Nous nous comprenions d'un simple regard, unis par notre passion pour ce programme », écrivait-il, rappelant le respect mutuel tissé depuis leur première collaboration en 2003, lors d'un tournage au Panama. Stéphane n'était pas seulement un caméraman, il était un pilier de l'équipe, une source d'inspiration pour les plus jeunes et un aventurier au caractère affirmé. Denis Brognard se remémore un homme inflexible, d'une honnêteté remarquable, qui savait s'imposer avec finesse. « Je lui disais souvent, avec toi, j'irai au bout du monde », va-t-il confier, le cœur lourd. En partageant ses pensées avec Bertille, l'épouse de Stéphane, et leurs enfants, Simon et Jessica, le présentateur de Kelanta a exprimé toute sa compassion envers cette famille en deuil. Il a également mentionné Francis Dumas, l'ingénieur du son fidèle, qui formait un duo indissociable avec Stéphane. Pour Denis, déjà éprouvé par la perte d'un collègue de l'équipe récemment, « Cette nouvelle est un choc, tu ne feras plus mon gros plan, mais tu resteras à jamais dans nos mémoires, continuant à m'inspirer. » Les réactions à la publication de Denis n'ont pas tardé. Anciens aventuriers, fans et membres de l'équipe de production ont rapidement exprimé leur chagrin. Teyeyura a partagé une anecdote nostalgique, « Je me souviens de toi, faisant fuir les poissons pendant que tu me filmais à la chasse sous-marine. » D'autres, comme Kumba et Frédéric, ont également témoigné de leur tristesse, évoquant la bienveillance et l'énergie contagieuse de Stéphane, qui a marqué leurs expériences, « Il a filmé tous mes Kelanta depuis 2005 et était d'une telle gentillesse », a écrit Kumba. Frédéric a souligné combien le caméraman était apprécié lors des tournages. Moundir et Clémence Castel, également dévastés par cette perte, ont partagé leur peine. Avec Stéphane s'éteint une figure emblématique de l'émission, mais ses souvenirs et son héritage continueront de vivre à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont connu.